Assalamu alaikum. Je vais faire une vidéo pour prévenir franchement les musulmans. Faites très attention à ce que vous êtes en train de faire. Je vois plein de vidéos maintenant pour ce soldat américain qui s'est suicidé devant l'ambassade d'Israël en disant Free Palestine. Free Palestine, ça ne t'exempte pas du suicide. Hein. C'est un des péchés les plus graves devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vois tous ces musulmans qui sont en train de dire: Oh mon Seigneur, pardonnez-le. Oh, donnez-lui le plus haut paradis. Oh, Inch'Allah, donnez-lui le plus haut paradis. Ça va pas ou quoi? Moi, je vais vous lire. Je vais descendre parce que je prends mon GSM. Je vais vous lire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Allah le Très-Haut a dit: Et ne vous tuez pas vous-même. Allah, en vérité, est miséricordieux envers vous. Et quiconque commet cela par excès et par iniquité, nous le jetterons au feu. Voilà qui est facile pour Allah. Sourate 4, verset 29-30. Je continue, hein. Écoutez quand même bien. Hein. Quelles que soient les pressions psychologiques, quelle que soit la gravité des soucis auxquels le musulman est confronté, il ne peut se résoudre à se tuer, puisqu'il sait que cet acte le conduira en enfer et au châtiment douloureux. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Quiconque se précipite du haut d'une montagne et se tue sera jeté dans la géhenne où il ne cessera de dégringoler éternellement. Quiconque se tue à l'aide d'un poison gardera ce poison éternellement en enfer. Quiconque se tue à l'aide d'une lame, celle-ci restera dans sa main et plongée dans son ventre en enfer où il restera éternellement. Ça vient de Bukhari, hein, les gens. Donc s'il vous plaît, si vous êtes musulman, arrêtez de dire des choses comme ça. Ne faites pas des vidéos pour cette personne et allez pas écrire, s'il vous plaît, mon Seigneur, plus au paradis. Hein. C'est un péché capital, le suicide, hein, les gens. Allez. Ah, Astaghfirullah al-Adhim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et merci quand même d'avoir regardé jusqu'à la fin.